Et bonjour à tous les amis, c'est The Death, c'est la mort est à mes pieds. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Abyss Build to Destroy. Ouais, j'espère que mon anglais je l'ai pas trop inachevé. Vous pouvez le retrouver donc sur Steam, tout en français bien sûr, pour à peine 14,99€. Et toutes les pages seront donc dans la campagne à la sandbox et vous pouvez faire le contrôle. Et que cette campagne que nous allons commencer va vous faire rire, hein, les amis. L'intro. Détruire. On va faire l'intro pour savoir à peu près comment le jeu se joue. Maintenez le bouton droit de la souris pour pivoter. Donc je vous rappelle que c'est un test que je fais de jeu. Donc pivoter, voilà. Donc on pivote. Et maintenez le bouton gauche de la souris pour déplacer. Donc là on se déplace, voilà. On pivote et on se déplace. Voilà, vous avez compris. Bouton droit, on pivote. Bouton gauche, on se déplace, ça c'est pas mal. Utilisation de la molette pour zoomer ou dézoomer, je pense. Ouais, c'est zoomer, dézoomer. La nouvelle pièce cube ultra lourde. Donc voilà, le but de l'histoire, c'est de mettre des cubes et de faire exploser l'engin qui est juste en face. Donc ceci est à exploser. Donc sélectionnez le cube dans le menu gauche. Voilà. Donc faites clic gauche pour placer une pièce rapidement. Je fais un tuto en même temps, c'est ça qui est dingue. Donc là, un clic droit pour le mettre vraiment au bord, clac. On le sélectionne. Et là, il nous dit qu'on peut le placer tout autour de la pièce. C'est ça. Donc là, si je viens là, je peux faire chaque coin de chaque truc, quoi. Voilà. Hop, jusqu'au bord. S'il le veut bien. Bon, apparemment, oui, mais pas trop. Bon, c'est bon, j'ai trouvé, les amis, on a trouvé le petit truc qu'il fallait. Faut juste maintenir la clic gauche. Ça n'a pas été simple hein, pour faire ce clic gauche. On peut pivoter, mais il faut le maintenir. Donc, et on lâche en fait à chaque fois. Donc il faut maintenir pour lâcher. Donc celui-là j'ai réussi, mais il fallait comprendre. Détruire tous les cibles rouges pour appuyer sur C pour contrôle. Non mais là c'est parti. Et ben voilà. J'espère qu'on a tout détruit. Terminé. Bon, à 100%, ah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bon, allez, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, il faut mettre des plus grands blocs. Et on peut accumuler les blocs pour utiliser des connecteurs pour relier les pièces. Allez, c'est parti. Donc là, il faudrait aller là-haut. Ouais. J'en ai un comme ça. Un connecteur. D'accord. Le connecteur. Donc là, normalement, hein. On est obligé de mettre un connecteur à chaque fois. Mettre un petit cube devant là, je peux pas le pivoter. Hop, je peux pas apparemment. Là au bord, ça fonctionne, ça veut bien. Et là au bord, enfin connecteur, je l'ai pas. On va en faire avec. Voilà, là, j'ai tout pas réussi du tout. Ça a rien fait. Terminé. Bon, on va faire un retour. C'est échoué. Ouais, c'est comme ça. Même pas. Ah si, ça a détruit mais que le bas. Oups. Hop. Let's go. Boum. Yeah. Ça explose et ça tombe. Voilà. On va accepter quand même hein. Ça se détruit encore, apparemment il y a des choses qui se font que on est à 100% ou pas. Première, deuxième, oh un coup, en un coup,
Bon. Apparemment, il nous montre qu'on peut faire quelque chose. Quand tout est pété. Je comprends pas. Je sais pas. Ça va être chaud. Ça va être chaud parce que pour le pencher en avant, le truc, il faudrait laisser le mettre limite au bord, quoi. Non, il faut le mettre au plus haut, alors. Il faudrait que... C'est le connecteur, c'est ça reste connecté, c'est ça. Hein. Oh, la grosse poutre qui va lui tomber dessus, il va pas le voir arriver. Ça va faire une grosse masse qui va lui tomber dessus. Allez, c'est parti. Boum. Oh là là, bah je suis loin. J'étais loin de casser l'autre. Ah d'accord, en fait ça... D'accord, j'ai pas tout compris. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que après avoir explosé lui, je peux le recontinuer. D'accord. Et là, on connecte. Voilà. Le plus proche possible. Je vais le mettre carrément là. Ça va le faire directement pencher. On va le monter comme ça. Il est soudé dessus. Et le dernier, on le soude pas. Mais par contre, on va le mettre bien, bien là comme ça. Il va être projeté. Dès qu'il va tomber, c'est le premier qui va tomber. Ouais, mais il va tomber trop tôt. Trop tôt. Il va tomber à la renverse. On verra bien. Ouais, c'est ça. Ah oui. Ouh, ça c'est bon ça. Eh ben voilà. La raison du plus fort, c'est le roquefort. Tac, tac. Ouah, je suis un expert. Oui, attention, en deux coups. Ouais, ouais, c'était le deux coups. On aurait peut-être pu le faire en un coup. Donc là, utiliser les rotations pour faire tourner les pièces. Yes. Oh, c'est bien ça. Oh là là là. Il y en a plusieurs, donc en fait, on va devoir le faire pivoter. On va le faire pivoter rotateur vers la droite. Comme ça. On va mettre un soudé dessus. Pour que ça soit costaud. Je vais mettre l'autre côté par là. Comme ça, il sera au plus grand. Tac. On remet une petite. Hop, comme ça. Paf. Et ici, on le soude au fond. Comme ça. Et lui, on lui met une masse. Je sais pas si ça va. Je sais pas en fait ce qu'il faut faire exactement. Donc là. Pouah. Excellent. Destruction massive. C'est pas l'assurance, moi je vous le dis. Il ne remboursera jamais rien. Et ça tourne. Ma petite grue, elle tourne. Elle fait sa vie. Youhou. Et on est à 100%. Niveau suivant, allez. On peut mettre des bombes pour créer des explosions. Aïe 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 aïe, ça va coûter cher. Ah, il faut cliquer dessus pour que ça explose. D'accord. What? Ça, donc là on doit exploser le pont à mon avis. Ce qu'il faudrait c'est que ça explose. Ici il faut que ça explose où? Là. Mais il faut détruire le pilier droite. Donc là il y a une bombe. Un poteau. Donc il faut mettre au plus près pour exploser les deux côtés. Là, ce qu'il faut, c'est lui. Déjà de base, on va le mettre au bord. Comme ça, alors. La première partie. Là, il faudrait tourner. Je peux pas monter. Je peux que détruire les côtés. À gérer. Donc là, je peux là. Donc j'en ai 7 comme ça. Mais il faut que j'en garde pour les bombes. C'est chaud! Je sais pas si la déflagration de la bombe elle est correcte. Est-ce que vraiment ça sera nécessaire? C'est la déflagration qu'il faut voir de la bombe aussi. Là on serait bien. Parce que si l'explosion, la déflagration fait exploser ça, là on est bon. Oh là 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 là. Attention, c'est du boulot. C'est du chef-d'œuvre. Du chef-d'œuvre aussi. Du chef-d'œuvre. Donc on va poser les deux petites bombes. Ouais, comme ça. Oh, puis j'ai vu leur zone. C'est parti.
Wow! Ah! Ça a pas tout à fait fonctionné de ce côté-là. le bug. Redémarrer le niveau, au secours. Ici, on place les bombes. On recule, hein, parce que je veux pas prendre des pépettes dans la figure, moi. Donc tout ce qu'il faut maintenant, c'est parti. Boum. Boum. Oh. Oh, il reste des petits bouts. Oh non. Casse-toi en 1000 morceaux. Bon. Bon, y'a plus rien qui fonctionne normalement. Elle est où la grue? Qui a vu la grue? Regardez en bas, chef. Boum, boum. Oh, dégoûté. Là, il faudrait projeter. Et la bombe, elle est où? Elle est où la bombe? La bombe. C'est ces trucs-là. Ils vont arrêter de bouger ces fourmis. Je l'ai... Pivote. Wow. Bah voilà. Oh, la déflagration. Bon, il reste un petit peu sur les côtés. Mais bon, quand ils vont voir le chantier, ils vont se dire, bah mince, il n'y avait pas un toit auparavant. Oh mais non. Ah mais non. Il faut faire quoi pour avoir le niveau complet? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas. Le fil électrique de l'amour. D'accord. Donc, apparemment, ça donne du courant. C'est un pistoball. C'est qu'est-ce que c'est? On peut pas, non? On peut pas. Ah, faut peut-être le boom dessus. Attendez que je comprenne bien. Ah non, je comprends pas là. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ça, ça tombe. Ça tombe dessus. Donc on l'explose en premier. On appuie ici. Ça fait une décharge qui explose. Faudrait deux trucs en même temps. What the fuck? Ça va être chaud. Et il viendrait là comme ça. Il faut pas qu'il parte tout de suite parce que sinon, ça va pas le faire. Donc là il tombe, il tape sur lui, mais lui il doit exploser avant. Donc au moment que je démarre, j'explose. Lui tombe et il tire sur le suivant. Un truc dans le genre. Ah, il a tiré, il a tiré. Je l'ai vu faire. Ah zut. Redémarrer. En fait je l'ai vu tirer, j'ai pas eu le temps de... Ah non mais il a tout recommencé. Ah. Let's go. C'est parti, on verra bien ce que ça donne. Oh yes, ça a touché. Ah bah c'est bon. C'est les petits coins-coins là, comme ça là. Il faut, ouais, regardez, ça glisse. Youhouhou, je pars. Ouais, ah, c'est pas mal. 86% de détruit. Alors, construire des joints avec des charnières. Allez, fais voir un exemple. L'exemple, regardez. Prenez exemple. C'est quoi? C'est la charnière, ça? Donc là, on doit faire une catapulte. Ça. Ça. Là, on prend ça. Et on fait... Ah oui, j'ai plus pour l'autre côté. La bombe. Ah non, la bombe, faut pas qu'elle soit attachée. Faut que la bombe, elle soit posée, en fait. C'est la même chose. Sauf que je suis pas en face. Et lui, il la pose où, sa bombe? La bombe bas, tu la poses où? Là, à peu près. Alors, bon, je peux rien gérer, c'est lui qui jette. Hein. Fouah, secours! C'était pas ça du tout! Il faut lui laisser le temps de glisser la bombe. Yes! Oh yes! Oh les dégâts! Ah bah voilà! Oh
t'exagères, t'aurais pu, j'ai tout détruit. Eh ben ça sera pour une prochaine vidéo les amis. Surtout n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Regardez cette fusée, ça sera peut-être pour la prochaine hein, si vous voulez une suite bien sûr. C'était une découverte avec Zodès et la mort est à mes pieds. Je vous dis à la prochaine, surtout portez-vous bien. Allez, zou, des bisous.